Hey, salut à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 20 du Journal d'Ozora, un épisode qui sera consacré à Halloween ainsi qu'à la réalisation d'une ferme à citrouille. Donc sur ce lever de ce joli lever de soleil, j'espère que le petit intro slash timelapse vous a plu. Donc nous avons le citrouillateur, voilà, qui est juste ici. Donc c'est une citrouille géante en fait, avec des lunettes et des dents, et qui servira également d'usine à citrouille. Donc voilà, j'ai fait l'usine hors caméra, hors timelapse juste après là, puis aussi hors caméra. Donc on va aller la voir ensemble. Je vous montre aussi un petit point de vue sur le spawn, parce que c'est vrai que ça a pas mal changé. Il y en a qui se sont éclatés là-bas et qui ont commencé à construire des trucs. C'est plutôt nice. Donc, allez, on sort de la tour et on va aller voir ça ensemble. Alors, je vais vous montrer rapidement l'usine. On va pas passer 3000 ans non plus, parce que il y a des choses qui sont en commun avec la ferme à canne à sucre qui est juste là, qu'on avait fait épisode 7, dans ces eaux-là, je crois, de mémoire, avec mon petit 4x4 qui est juste ici. Bon, mon 4x4 camping-car. Donc l'entrée, alors je vais vous montrer d'abord, on va commencer par la base, hein. Si vous êtes intéressé par les citrouilles, voilà, il faut aller les chercher dans la bouche du citrouillateur, c'est-à-dire juste ici, voilà, là, dans le coffre. Vous voyez, ça produit doucement mais sûrement, ça produit assez lentement. Voilà à quoi il ressemble vu de côté, monsieur citrouillateur. J'ai rajouté pas mal de végétation autour, comme vous pouvez voir, pour camoufler un petit peu l'arrière de la tête qui est assez plat. Donc, si on passe par ici, voilà, hop, tac, 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 nous avons donc l'accès à maintenance du citrouillateur, voilà, et nous arrivons ici, donc, à l'intérieur, et d'ailleurs, je vais virer les shaders, et voilà, donc, c'est moins beau, mais ce sera mieux pour vos yeux. Donc, nous voici à l'intérieur de la tête de citrouillateur. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu creusé aussi à l'intérieur, et nous avons donc la ferme qui se situe juste ici, là, en contrebas. Alors, je vais vous présenter rapidement son mode de fonctionnement, sans rentrer non plus trop dans le détail. Il faut savoir que c'est une usine qui a été conçue par Eragon Elda, voilà le design d'origine, donc je l'ai juste repris. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien, le lien de la vidéo où il présente cette usine, justement, dans la description de ma vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos dans la même phrase. N'hésitez pas à aller checker si vous êtes intéressé par cette usine, voilà, je lui fais un peu de pub, mais ça me paraît normal vu que c'est lui le créateur de base de cette usine. Donc comment ça fonctionne? Nous avons ici un endroit où vont pouvoir pousser les citrouilles, tranquillou, tranquillou. Et ici, nous avons un bud switch. Donc, je ne vais pas revenir trop dans le détail, vu qu'on en avait parlé à l'épisode 7. Hein. L'idée, c'est que c'est un piston qui est alimenté, mais qui n'est pas mis à jour. Quand un bloc va pousser à côté, il va mettre à jour le piston, qui va s'étendre. Et du coup, là, on peut récupérer du courant. Et donc, éjecter les citrouilles qui sont ici, de cette façon-là. Voilà. Donc, éjecter, plaquer contre le mur, et elles tombent. Alors, il y a un petit peu de perte de temps en temps, mais c'est assez rare, parce que les slime blocks, il faut savoir quand ça éjecte méchamment. Et voilà, les citrouilles qui remontent. Ça éjecte méchamment, donc ils vont taper ici et ils vont tomber dans le courant d'eau, ils vont être récupérés. Et juste en dessous, voilà, nous avons un ascenseur, comme ici, qui remonte jusqu'en haut. Et là, vous avez un système de storage avec des coffres, hein, vous l'avez vu quand on est rentré. Donc ça, c'est similaire à exactement pareil que ce que j'avais fait dans l'épisode, du coup, c'est toujours 7, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, de la ferme à canne à sucre. Donc si vous voulez voir, je vous invite à aller revoir cet épisode-là où j'expliquais plus en détail comment ça fonctionnait. Ce qui est intéressant sur la ferme d'Eragon Elda, c'est qu'il a mis un système, parce que c'est pas comme sur les fermes à canne à sucre. Les fermes à canne à sucre, je l'ai fait moi-même, ça c'est facile. Ici, le souci, c'est que les citrouilles doivent pousser forcément sur de la terre, comme ici. Du coup, ce qui se passe, c'est que si on la pousse avec un slime block, donc ça fonctionne très bien, mais quand le slime block va revenir en position, il va entraîner la terre avec lui. Là où Eragon et Zelda étaient vachement ingénieux, c'est qu'il a mis en bas un système qui permet de ramener la terre en place pour réinitialiser l'usine, en fait, voilà. Donc ça, je vous inviterai à aller voir sa vidéo, il explique très très bien dedans. Il fait pas de tuto pour la faire pas à pas, mais si vous mettez en pause, vous pouvez facilement la reproduire à la mano. Ça se fait bien. Donc voilà, là l'ascenseur, comme je vous disais. Donc, c'est une usine qui est tout en hauteur. À savoir que voilà, cette usine n'est pas non plus hyper efficace. Vous voyez, il n'y a que 6 spots pour faire spawner des citrouilles, donc c'est pas énorme. Par contre, l'avantage, c'est que c'est stackable. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la pièce, je pourrais la creuser vers le bas. Et stocker ce petit système qui est ici, vous voyez, qui est pas si énorme que ça, en hauteur, donc jusqu'en bas, jusqu'à la couche 0. Et en bas, j'aurais juste qu'à remettre la source d'eau ici et l'ascenseur, voilà. Il faut que je prolonge juste la taille de l'ascenseur.
en sachant que l'avantage c'est que comme ça propulse tout vers le mur et que tout tombe en ligne droite après, vous avez besoin, enfin vous pouvez faire plusieurs systèmes de spawn et un seul système de récupération s'ils sont les uns au-dessus des autres. Donc je ferai sûrement ça à l'avenir, vous voyez, je continuerai à creuser vers le bas, je déplacerai, je décalerai tout ce qui est en bas bah, vers le fond, et je ferai d'autres systèmes comme ça, intermédiaires, voilà. Et comme ça augmentera la productivité de l'usine. Alors, je vous propose maintenant de remonter. Pour la suite de l'épisode, je pense qu'on peut poursuivre un petit peu la déco, parce que là, c'est bien, on a fait une tête de citrouille géante avec des lunettes et un grand sourire. Coucou. Et, mais c'est vrai que ça manque encore un petit peu de déco. La tête, est, au début, je voulais faire un truc provisoire, finalement, comme il y a une usine dedans, je pense que ça restera. Ça va faire comme le sapin de Noël qu'on avait fait l'an dernier, vous ne l'aviez pas vu en vidéo, ça, mais il est toujours là, hein, il est fier. Je pense que ce Noël-là, j'y remettrai une petite touche par-dessus pour le ragrandir un peu ou le rénover, le remettre au goût du jour. Voilà, donc je vous propose de mettre un petit peu de déco un peu partout et on se retrouve juste après. Nyerk, 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 nyerk. Et nous revoici. Il fait sombre, il fait droit, et le spawn est décoré surtout, voilà. Donc, je vais virer ces citrouilles parce qu'on voit rien du tout. Voilà, c'est quand même vachement mieux. Donc, j'ai mis un petit message, Happy Halloween. Alors, c'est pas forcément facile à lire avec les flammes et avec les shaders, mais voilà, donc c'est au niveau du sapin, voilà, comme ça, ça fait passer le message à tout le monde, c'est assez visible. J'ai aussi ajouté un peu partout, voilà, des petits monsieur citrouilles qui servent de lampadaire. Et j'ai remplacé les boules jaunes du sapin par des têtes de citrouille, voilà. L'astuce d'ailleurs, c'est de mettre des bûches de bois en dessous, parce que le problème, c'est que les têtes de citrouille, comme ça, on peut pas les poser n'importe où. C'est un peu chiant d'ailleurs. Et regardez ce que j'ai sur moi dans mon inventaire. J'ai des panneaux, des chests et des citrouilles et plein de cookies. Je vous propose une petite distribution de bonbons. Alors là, ce sera des cookies parce qu'on n'a pas de bonbons dans Minecraft. Voilà, donc une petite compilation en mode tour du serveur chez les joueurs pour aller leur donner des bons becs. Allez, vous êtes chauds ? On est parti. Se retrouve devant ma tour pour la conclusion de cet épisode. Donc, épisode spécial Halloween. C'est l'épisode numéro 20, c'est pour ça que je l'ai... c'est une dizaine. Donc je me suis dit, je vais vous fournir un épisode un peu plus complet. Voilà, numéro 20, je pense que c'est quand même un cap dans une série de vidéos. Donc je suis super content voilà, d'être arrivé jusque-là avec le journal Zbra. Donc ça va continuer, hein. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs à la semaine prochaine. Pour conclure sur cet épisode, donc on aura... fait un petit timelapse en intro, on aura vu une usine, je vous encourage d'ailleurs, une usine à citrouilles, je vous encourage d'abord d'ailleurs à aller voir la vidéo d'Eragon Elda, si cette usine vous a plu, elle marche aussi pour les pastèques, hein, entre parenthèses. On a aussi décoré le spawn et on a fait distribution de cookies à tous les poteaux du serveur, voilà. Donc je vous fais des bisous à tous
et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Minecraft. C'était Zanzag, tchou!